Donc ça, c'est la partie, entre guillemets, leur point d'intersection, c'est le vecteur nul ici. Et ça, c'est la partie, entre guillemets, ces deux ensembles sont indépendants, ou d'une façon ou d'une autre, c'est ce qui va nous permettre de dire qu'il n'y aura pas plus qu'une coordonnée sur chaque élément. Mais par contre, il faut être sûr qu'on puisse atteindre aussi tous les vecteurs. Et ça, ça se fait par une deuxième condition qui est pas très simple, qui dit juste qu'il faut que f plus g, ça fasse E, c'est-à-dire que quel que soit, je vais plutôt l'écrire dans ce sens-là, que quel que soit X appartenant à E, non, faut que j'écrive E dans le bon sens quand même, que pour tout X appartenant à E, bah, je veux que X puisse s'écrire comme un élément de F plus un élément de G. Il faut que j'arrive à recomposer n'importe quel élément. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, ça, c'est ce qui va se passer notamment en dimension infinie, et dès qu'on va être en dimension infinie, ça va être très très dur parce que on ne pourra pas résumer cette condition-là. C'est-à-dire que pour que deux espaces soient supplémentaires, il faut que ça recouvre tout l'espace d'arrivée. Et pour recouvrir tout l'espace d'arrivée, il faudra prouver ça. Et pour prouver ça, c'est une analyse synthèse pas standard. C'est pas avec un paramètre ABC. C'est à vous d'analyser la situation et de voir quand vous avez trouvé les choses. Donc c'est un truc en général que... sur lequel vous avez un peu de mal. On va en faire quelques-unes, mais c'est pas le cœur de ce qu'on va plus bosser, parce que les trois quarts de nos espaces vectoriels ne vont pas être en dimension infinie, ils vont être en dimension finie. D'après vous, qu'est-ce qui suffirait en termes de dimension pour que on puisse recomposer E par rapport à F et G? Prenez l'exemple de ce qu'on faisait la semaine dernière, je vous parlais de R3, on est dans l'espace, et on peut décomposer R3 en trois droites, ou en une droite et un plan, j'avais dit, du moment qu'ils n'ont pas de part, que la seule partie commune c'est 0. Quelle serait la règle en termes de dimension, d'après vous? Elle est tout à fait logique. Pour essayer de décomposer un espace E en un espace F et un espace G. Kautar ? Oui, alors ça oui, puisque F plus G c'est forcément un SEV de E, ça c'est du cours qu'on a déjà eu, mais c'est une règle qu'il faut savoir, on l'avait vu à l'époque. Je vous rappelle que si on a un espace, alors je vais pas l'appeler F et G parce que j'ai déjà ça, si j'ai H, un SEV inclus dans E, et que j'ai dim de H qui vaut dim de E, bah alors on sait instantanément que H est égal à E. Et donc tu as tout à fait raison, Kautar, c'est que en gros ce qu'il nous faut c'est que la dimension de F plus G ce soit la dimension de E. Alors si on voit des dimensions d'espace vectoriel comme des cardinaux, et si on voit la somme, attention, j'ai dit que la somme c'était pas l'union la semaine dernière parce que l'union c'est pas stable par combinaison linéaire et que ça forme pas un espace vectoriel. Mais si on fait l'analogie entre dimensions et cardinaux, est-ce que vous êtes un peu d'accord que la dimension d'un espace, c'est le nombre de cardinales d'éléments de sa base? Donc il y a un lien entre les deux. Est-ce que vous avez une formule là-dessus? C'est quoi le cardinal de A union B? Ou la proba? On l'avait vu, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de... Ouais. Ce qu'on appelle la formule du crible. Bah, on va obtenir une formule, nous, qui s'appelle la formule de Grassmann, qui est que la dimension de F plus G, c'est la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de l'intersection. Donc ça va revenir à ça. Donc quand on va être en dimension finie, et uniquement en dimension finie, bah, ce qu'on a, c'est qu'on a la formule de Grassmann qu'on vient d'énoncer. C'est exactement la même chose que votre règle de cardinal. La dimension d'une somme d'espaces vectoriels, ça va être la somme des dimensions moins la dimension de l'intersection. Je ne peux plus l'agrandir du coup. Bon. Et donc, si nos... Alors ça, c'est pour essayer de trouver que les espaces recouvrent tout l'espace vectoriel. Si cette formule nous donne que la dimension de F plus G, ça fait la dimension de E, on aura que ça recouvre bien tout l'espace vectoriel. On a dit qu'il y a une deuxième notion, il faut que ça recouvre tout, c'est un peu la notion de surjectivité, et il faut que ce soit indépendant, ou qu'il n'y ait pas de point commun.
C'est un peu la notion d'injectivité. Cette notion de nombre point commun, on a dit que ça revenait à dire que l'intersection est nulle. Bah, si l'intersection est nulle, c'est quoi la dimension de F inter G? Bah, c'est 0. Si l'intersection est nulle. Si F inter G est égal à 0. Bah, on vient de voir qu'en fait, parler de deux espaces supplémentaires en dimension finie, c'est quand même 100 fois plus simple qu'en dimension infinie. Parce que ça nous donne deux informations, c'est que deux espaces sont supplémentaires à deux conditions. Pour que deux espaces soient supplémentaires en dimension finie, il suffit que leur intersection soit égale à 0 et il suffit que la somme des deux dimensions, ça fasse espace total. Donc si vous me décomposez R3 en un plan plus une droite, c'est-à-dire vous me trouvez un espace de dimension 2, un espace de dimension 1, vous montrez que l'intersection de ces deux espaces, il n'y a que le vecteur nul qui est dedans, bah vous avez montré que les deux espaces sont supplémentaires. En dimension finie, ce chapitre, enfin c'est pas, même pas un chapitre, c'est un bout de chapitre, il est extrêmement simple. On a fini le cours, il n'y a plus rien. Enfin, il y a un petit résultat, mais il est très très bête, je vais le dire tout de suite, mais on va pas trop s'en servir, il est assez logique. Ça a à voir avec, on l'avait vu à l'époque, le théorème de la base incomplète. C'est que dans un espace de dimension finie, tout sous l'espace vectoriel F admet au moins un supplémentaire. Ouais. Bah typiquement, on est dans R3. C'est sûr et certain, je te donne. On est dans R3. Je fais un dessin de plan, ça veut pas aller. On est dans R3. Et en premier espace, par exemple, hein, c'est vraiment. Je prends pour E, c'est R3. Et je vais prendre pour F. Je vais prendre l'ensemble des x, y, z appartenant à R3. Je vous assure que c'est un espace vectoriel tel que 2x moins 3y plus z égale 0. Ça, c'est un plan qui passe par l'origine. C'est un plan qui est comme ça. Et qui passe bien par ce point-là. Et si maintenant, je te prends g, qui est l'ensemble des vecteurs x, y, z tel que... Prenons un autre plan qui n'est pas pareil que l'autre. Donc je vais prendre x moins 3y plus z. Comme ça, comme il y en a un en 2x et l'autre en x, ça n'aura pas exactement la même pente. Et je sais pas, l'autre plan, il va être comme ça. Bah, c'est très mal dessiné, mais moralement, il y a une partie commune ici à ces deux plans. Il y a une droite en commun. Et logiquement, si ce que je t'ai donné, si vous vous rappelez vos cours de lycée, mais je m'en fiche. Ça, vous devez vous rappeler que ce sont des équations de plan, mais je m'en fiche royalement. Juste si on admet, nous, que ce sont des espaces vectoriels de dimension 2. T'es bien d'accord que là, on applique juste la formule de Grassmann. La dimension de la somme, F plus G, ça doit être 2 plus 2 plus la dimension, moins de la dimension d'intersection, t'es d'accord? C'est 4 moins la dimension d'intersection. Or, on est dans R3. Donc, cette dimension totale de l'espace, ça ne peut pas faire plus que... Donc instantanément, je peux en déduire que la dimension de l'intersection, c'est au moins 1. T'es d'accord avec le principe ou pas, Simon? Vous comprenez ce principe-là tout bête? Bah, c'est ça qu'on fait en dimension finie. En fait, on joue juste avec le jeu de dimension pour pouvoir prouver que des choses sont supplémentaires. Alors, supplémentaire, c'est juste jeu de dimension plus intersection égale à 0. Donc il faut arriver à prouver que des intersections d'ensemble sont égales à 0. Et ça, on l'a pas beaucoup fait. Donc on va apprendre à le faire. Et on va voir ce que ça donne. Alors. Bah tiens. C'est pas prévu, mais faisons ça. Je vais recopier mon truc juste en dessous. Donc je vous donne F, c'est l'ensemble du dessus. Alors ça va être vraiment un truc très très simple pour faire un premier truc, mais déterminer F inter G. Alors,
vous rappelle que l'intersection en termes d'événements, ça joue le rôle d'un et. Donc en termes d'espace vectoriel, on va faire exactement la même chose. Comment on va faire pour déterminer l'intersection? On va dire qu'un vecteur U, donc là c'est l'idée générale qu'on va utiliser. On va dire que U appartient à F inter G. Ça veut dire que U appartient à F et U appartient à G. Et puisqu'on a des espaces vectoriels, ça va vérifier. On va juste dire que U vérifie la condition de F et U vérifie la condition de G. Ce sera toujours ça qu'il faut faire et traduire et faire les calculs associés derrière. C'est toujours la même idée. Donc faisons ça sur ce premier exemple très simple. Ça veut dire quoi? Donc soit U. Alors pour le moment c'est un vecteur appartenant à R3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça, je vais retraduire, ça veut juste dire que U appartient à F et U appartient à G. Alors, mes conditions sur mes vecteurs, je ne les ai pas sur U. Si vous regardez mes ensembles, je les ai sur leurs coordonnées X, Y, Z. Donc, il faut donner des coordonnées à U. Alors, par exemple, c'est équivalent pour U qui vaut... Alors, je vais peut-être pas le renoter X, Y, Z pour vous forcer à traduire un tout petit peu. J'ai envie de l'appeler ABC juste pour vous modifier un peu les lettres et que vous appreniez à traduire un peu différemment, mais c'est la même chose. Pour U qui vaut ABC appartenant à R3, c'est équivalent que U appartient à F, c'est équivalent à dire que 2A moins 3B plus C est égal à 0. Et U appartient à G, ça veut dire que A moins 3B plus C est égal à 0. Donc, U appartient à F inter G, bah ça veut dire, c'est équivalent à dire qu'on a le système 2A moins 3B plus C est égal à 0. A moins 3B plus C est égal à 0. Oui, Noah ? Alors, dans ce cas-là, non. Quand ce sera montré que c'est... Parce que là, c'est pas supplémentaire. Donc, je veux déterminer l'intersection. Mais que, je suis d'accord avec toi. Quand ce sera supplémentaire, on peut supposer qu'il est non nul et montrer que ça marche pas. Mais moralement, ça va juste compliquer la rédaction par rapport à la rédaction standard de l'implication. Parce que, en général, quand montrer que l'intersection est nulle, c'est vraiment vérifier que les deux conditions ensemble mettent que des paramètres valent 0. Enfin, c'est pas très très compliqué en général. Mais je suis tout à fait d'accord que ça a du sens ce que tu veux faire dans le cas de supplémentaire. Mais pas dans le cas où c'est déterminer l'intersection. Comment on fait? Bah, on se rappelle nos vieilles méthodes, on fait un pivot. Si je fais un pivot sur cette ligne-là, je la recopie. Et en dessous, j'obtiens... A égale 0, on est bien d'accord? Je me suis arrangé pour avoir des équations pas trop dures. Ce qui veut dire que ça devient A égale 0 et au-dessus ça devient bah, C qui vaut 3B au-dessus. Et là ça doit vous rappeler des choses de noyau qu'on ne peut pas faire en une ligne d'ailleurs. C'est que U est égal à ABC appartient à F inter G. C'est ce qu'on va faire comme calcul. C'est équivalent à ce que U ce soit égal à 0, B, 3B, ce qui serait écrit B, 0, 1, 3, ce qui veut dire, ce qui est équivalent à dire que U appartient à vect de 0, 1, 3. Et donc c'est quand on a une équivalence de ce type-là, du type U vaut ça au début, U appartient à quelque chose au début, équivalent à U appartient à quelque chose à la fin. Donc, F inter G, c'est vect de 0, 1, 3. Ok, sur la c'est la rédaction d'un noyau qu'on a fait à la fin. Mais cette ligne d'équivalence sur la rédaction d'un noyau, vous ne pouvez pas la passer. C'est pas, ah oui, j'ai C égale 3B, A vaut 0, et vous ne pouvez pas arriver à cette ligne-là directement. Je le vois beaucoup trop souvent. Vous perdez la moitié des points.
Vous avez fini les calculs, mais il faut expliquer en quoi ces calculs permettent de répondre. Est-ce que ça va pour un premier exemple de déterminer une intersection? C'était juste pour vous montrer un cas non nul, parce qu'on va faire les 99% du temps, nous on va faire des cas nuls pour faire des supplémentaires. Oui, et ah non, là, c'est, bah voilà, j'ai fait exprès de prendre deux plans, c'était la question de Simon, pour montrer est-ce qu'on peut avoir des espaces vectoriels qui ne sont pas d'intersection nulle. Bah, si je prends deux plans dans R3, clairement l'intersection commune, bah, on le voit bien, l'intersection commune c'est une droite. C'est la droite qui est dirigée par le vecteur 0, 1, 3. Faisons des exercices là-dessus. Alors, allons-y. Alors, on va faire un truc un peu bête. Non, on va peut-être commencer par... ouais, hop, si. Question pas standard, mais c'est plutôt pour revenir sur la dernière propriété qu'on a vue. Je vous ai dit que oui, dans n'importe quel espace vectoriel de dimension finie, tout espace sous-espace vectoriel, donc là par exemple je vous donne un plan qui est déterminé par deux vecteurs, il y a une propriété théorique qui dit qu'il existe un supplémentaire. Moi là j'ai une question toute bête, est-ce que vous pouvez m'en trouver un? Alors c'est parce qu'on est dans R3 que je vous demande ça, parce que c'est très bête et qu'il faut y réfléchir. Comment, si je vous donne un plan, vous faites pour me compléter l'espace? Si on est dans R3. Déjà, première, oui. Martin? Voilà. C'est exactement. Et pourquoi tu prends juste un vecteur? Parce que tu, avec ce vecteur, tu vas aller générer une droite. Donc en fait, pour compléter un plan, il vous faut juste une droite, et il vous faut juste une droite qui ne soit pas dans le plan, c'est tout. Donc il faut juste, alors déjà, bon ça c'est pas à votre niveau, c'est au niveau Bac+5, mais si vous prenez un vecteur au hasard, alors soyons clairs, on ne prend pas un vecteur au hasard parce que nous on va prendre un vecteur à coordonnées entières, mais si on prend un vecteur au hasard avec des coordonnées 0,3, enfin avec n'importe quel nombre sur chaque coordonnée, la probabilité de tomber dans un plan quand vous êtes dans l'espace, elle est nulle. C'est-à-dire que le volume du plan, c'est un peu comme la notion d'une intégrale qui serait faite en un point. Mais en généralisation, un plan dans un espace, sa taille, son poids, sa masse, c'est zéro. Donc, si on prend normalement un vecteur au hasard, on a de grandes chances d'arriver à montrer que il n'est pas dans ce plan. S'il n'est pas dans ce plan, l'intersection avec cet espace-là va être nulle. Et par la règle des dimensions, on pourra prouver qu'ils sont supplémentaires, tout simplement. Oui, Amélie? Ah non, il n'a pas dit de coordonnées 0, 0, 0. Il a dit dont la seule intersection avec le plan, ça doit être le point 0, 0, 0. Oui, Ethan? Alors voilà. C'est pas vraiment au hasard qu'on le choisit, mais moi mon premier test, en fait, je ferai 3 tests moralement, enfin, dès que le premier marche on arrête, mais les premiers vecteurs à tester, ce sont les vecteurs de base, parce que forcément, c'est pas possible que les 3 vecteurs de base soient dans l'espace. Si les 3 vecteurs de base sont dans l'espace, ça veut dire que l'espace contient la base canonique et il génère l'ensemble de l'espace, donc c'est que c'est pas un espace de dimension 2. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi Ethan et ce que j'allais expliquer juste derrière. Le choix le plus raisonnable quand on vous demande un supplémentaire, c'est de tester les vecteurs de base de la base canonique de l'espace dans lequel vous êtes. Donc là, typiquement, on va tester avec le vecteur 1, 0, 0. Donc c'est ce qu'on va faire. Posons U, c'est 1, 0, 0. Alors je vais vous le mettre, mais entre guillemets, choisi.
Alors je vais être clair avec vous aussi. Non, je vous l'ai déjà demandé plein de fois, mais vous n'avez pas vu le produit vectoriel en géométrie l'année dernière. Alors si vous avez vu le produit vectoriel, si vous voyez un corrigé d'un exo comme ça, le vecteur qui sera pris, ce ne sera pas le premier vecteur de la base canonique. Ce sera. Parce que le produit vectoriel renvoie un vecteur qui est directement orthogonal aux deux autres. Donc moralement, si vous faites le produit vectoriel de ces deux vecteurs, vous êtes sûr et certain d'obtenir un vecteur qui ne sera pas dans ce plan. Donc si vous savez calculer avec un produit vectoriel, prendre le produit vectoriel des deux, ça vous assurera d'avoir ça. Mais on n'a pas mieux que faire ça pour nous. Les vecteurs de la base canonique sont de bons candidats. Donc on va poser U qui vaut ça et on va poser G qui vaut juste vecte de U. Alors un vecteur V, on va vérifier qu'ils sont pas, que l'intersection est bien nulle. Un vecteur V appartient à F inter G. C'est si et seulement si bah, V appartient à F et V appartient à G. Ce qui est équivalent si V s'écrit encore une fois, tiens je vais encore noter ABC. Ça veut dire que V ça s'écrit, enfin que ABC ça s'écrit... Bah, alpha fois 1, 2, 1 plus bêta fois 0, 1, 2. Et d'un autre côté, j'ai V qui vaut ABC qui va s'écrire. S'il est dans G, il va s'écrire comment? En gros, ça va s'écrire quelque chose fois 0, 1, 2. Je remets alpha. Je remets alpha ou je mets une autre lettre? Le même paramètre alpha dans les deux espaces. Ethan ? Oui. Oui, bien sûr, c'est une autre condition qu'on est en train d'écrire. Donc là, on va l'écrire, ça s'écrit gamma fois 0, 1, 2. Donc V appartient à F inter G, c'est équivalent pour nous à ce que V ce soit à la fois alpha 1, 2, 1 plus bêta 0, 1, 2. Et ça, va être, ça doit faire gamma 0, 1, 2. Oui. J'ai mis quoi? Bah pourquoi j'ai mis 0, 1, 2? Excusez-moi. C'était 1, 0, 0, merci Ethan. Non, c'est pas 0, 1, 2. J'ai recopié au-dessus au lieu de recopier... c'est celui-là-haut que je dois recopier. C'est le 1, 0, 0 qu'on a choisi là que je dois recopier. Excusez-moi. Ça, moralement, ça revient à vérifier si alpha fois le premier plus bêta fois le deuxième moins gamma fois le troisième, ça vaut 0. Ça vous fait penser à rien, ça? Qu'est-ce qu'on cherche à montrer, en fait? Kautar? Bah oui, parce que si on a déjà deux vecteurs et que j'arrive à trouver un vecteur qui est indépendant des deux premiers vecteurs, c'est que je suis en train de créer une famille libre. Donc encore une fois, on retombe sur des notions qu'on a déjà vues. Donc il faut vérifier si cette famille est libre. Bah, pour ça, il faut faire le calcul, hein, je ne l'ai pas fait, mais ça me fait du alpha moins gamma égale à 0. En dessous, ça me fait du 2 alpha plus bêta égale à 0. Et en dessous, ça me fait du alpha plus 2 bêta est égal à 0. Par exemple, je vais faire un pivot en bêta. Ça me fait du 2 alpha plus bêta est égal à 0. Ce qui en dessous va me faire, si je fais du moins 2 fois, ça va me faire du moins 3 alpha est égal à 0. Et je vais garder du alpha moins gamma est égal à 0. Là, j'ai fait que L2, ça reçoit L3 moins 2 L2. Donc forcément, ça donne alpha égale 0, ce qui donne en dessous gamma égale 0, ce qui donne au-dessus bêta égale 0. Alors là, notre conclusion, c'est pas la famille est libre, notre conclusion, c'est donc que le vecteur U
Bah, c'est par exemple 0 fois le vecteur 1, 0, 0. Donc U est nul. C'est pas U, il s'appelait V, excusez-moi. Et F inter G, c'est le vecteur nul de R3. Donc maintenant que j'ai montré que l'intersection est nulle, on va dire maintenant que 2 plus... Alors, on l'a pas justifié, ça, la dimension. Soyons clairs, la dimension de G qui est vec d'un seul vecteur, c'est de dimension 1, c'est évident. Pourquoi F est de dimension 2? Parce que c'est le vec de deux vecteurs, mais il faut peut-être ajouter quelque chose. Voilà, à deux vecteurs, la liberté revient à juste dire non collinaire. Ça, c'est parce que les vecteurs, c'était quoi justement? Il y avait du 0, 1, 2 dedans. Parce que 1, 2, 1 et 0, 1, 2, non collinaire. Donc on a que cette somme de dimensions, ça fait la dimension de R3, donc F et G sont supplémentaires dans R3. Ce qui se note, F plus G est égal à R3. Voilà pour un premier exo là-dessus. Alors... au début, j'ai mis des exos vraiment bêtes. Je pense pas que j'en ai mis. Hop. Hop là. Alors, j'ai mis deux exos tout bêtes derrière pour vérifier que vous avez compris ces notions rapidement, justement, avec d'autres contextes. Oh, bah, j'ai... Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai pas modifié les grands X? Je l'avais fait sur le reste du chapitre. Qu'est-ce qui m'a pris? Bon, bah, faut modifier. Bah, tiens, je vais réécrire mes exos, du coup, avec la version OM Lyon. Ce que je ferai avec la version OM Lyon, c'est ça. Alors, est-ce que ces deux espaces sont supplémentaires dans R2 crochet X? Si on n'avait pas ce que les notations comme l'ont fait le M Lyon, ce que j'aurais écrit, c'est ça. On doit adapter. X donne 1 plus X et X donne X plus X carré. La réponse est évidente.
Qu'est-ce que tu... Oui, je suis d'accord, mais pourquoi? Ils ont? Oui, et R3, et R2 crochet X. Cette dimension 3. C'est exact... En fait, c'est exactement... Est-ce que vous êtes d'accord que c'est une traduction? Oui, on parle de polynôme, mais c'est exactement le même problème que ce qu'on a dit sur R3 et les deux plans. C'est-à-dire que dans un espace de dimension 3, on ne peut pas avoir deux plans qui sont supplémentaires. De plus, et c'est l'autre argument, non. Alors c'est exactement ça. Dim de R3 crochet X, ben on sait. R2 crochet X, pardon. On sait que c'est 3. Dim de F, c'est 2. Dim de G, c'est 2. Je mets quand même que c'est parce qu'on a deux vecteurs non collinéaires. Alors, pourquoi ça fait office de preuve? Il faut quand même passer donc par la formule de Grassmann. Par la formule de Grassmann, la dimension de f plus g, ce qui est égal à la dimension de f plus la dimension de g, et ce qu'on sait, c'est que la dimension de f plus g, c'est forcément plus petit que la dimension de E, vu que c'est un sous-espace vectoriel, et on sait que ça fait 3. Donc vous avez R2 crochet X, pardon, merci Cassiopée. Donc vous avez que 3 est plus grand que 4 moins dimension de G, moins dimension de F inter G. Moralement, en rééquilibrant, ça vous donne que la dimension de F inter G est supérieure ou égale à, donc il ne peut pas, l'intersection ne peut pas être réduite à 0. Les deux, comme tu l'as dit, les deux espaces ne sont pas indépendants. C'est différent du vecteur nul de R2 crochet X. Oui. Alors, un peu plus... Ouais, je vous laisse finir de noter. Si vous avez les espaces mis, vous pouvez pas me trouver un vecteur commun aux deux? Moi, je l'ai, hein, le vecteur commun aux deux, il est évident. C'est pas très 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 compliqué de voir quel va être un vecteur qui va être à la fois dans l'un et à la fois dans l'autre, vu les écritures. Je remonte pour que vous les voyez, mais mes polynômes A, B, ils sont là, et C et D, ils sont de l'autre côté. Hein. Vous n'avez pas une relation évidente de liaison dans les familles? Oui, exactement. Autre façon de le voir, c'est que B est égal à C plus D, ce qui implique instantanément, hein, dès qu'on a vu ça, c'est que F inter G contient au moins vect de B. C'est évident que B est dans l'intersection des deux, quoi, ou C plus D, enfin l'un ou l'autre. Et donc forcément la dimension est, enfin l'intersection est pas nulle. Donc ça c'était une autre un autre truc qu'on pouvait remarquer. Ok. Donc forcément quand les dimensions marchent pas, ça peut pas aller. Mon autre exo, c'était quoi? Alors, il peut aussi y avoir le problème de manque de dimension. Est-ce que, donc exo encore en plus, mais très bête, si f c'est vec de 1 et de x, la question que je me pose c'est est-ce qu'ils sont supplémentaires dans... R5 crochet X.
C'est toujours pour revenir à ces deux notions. Ce qu'on vient de mettre en défaut dans l'exo d'avant, c'est que l'intersection est donc l'intersection n'était pas nulle. Ici, quel est le problème? Ils sont pas supplémentaires, mais pourquoi? Ethan? Exactement. F, il y a encore une fois, il est de dimension 2. G, il est de dimension 2. Là, je peux vous garantir que l'intersection est clairement nulle, vu qu'en fait, c'est des vecteurs de la base canonique que j'ai pris et différents de la base canonique des polynômes. Donc clairement, l'intersection des deux espaces, c'est réduit à 0. Par contre, R5 crochet X est de dimension 6. Donc c'est pas avec un espace de dimension 2 et un autre espace de dimension 2 que vous pouvez arriver à recoller un espace de dimension 6. Donc encore une fois, ce qu'on peut dire, c'est que d'après la formule de Grassmann, la dimension de F plus G j'ai même pas besoin d'aller calculer la dimension de F inter G. Je sais juste que ça, c'est plus petit que dimension de F plus dimension de G. Je sais par les calculs que ça, ça vaut 4, vu que c'est deux espaces de dimension E. Et ça, je sais que c'est strictement plus petit que 6, qui vaut la dimension de R5 crochet X. Donc, la dimension de la somme, ça fait pas la dimension de l'espace total. Ok. Alors, je regarde juste dans le poly, je me rappelle plus si j'ai mis des choses. Je parle de projecteurs ici partout. Alors, avant d'attaquer des exos en dimension infinie, on va finir le cours quand même. J'attendais qu'on ait fait un ou deux exos comme ça pour voir, pour pouvoir conclure. Imaginons que je veux redécomposer mon espace R3 pour faire simple. Et je le décompose en un plan qui est généré, par exemple le plan qui est là, qui est généré par un vecteur E1 et un vecteur E2. Et que ce plan, je le complète par la droite qui passe en travers comme ça. Et cette droite, elle est générée par un vecteur E3. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la famille E1, E2, E3? Forcément. Si les deux espaces sont supplémentaires, d'après vous. En termes de choses intéressantes pour les espaces vectoriels, hein. Yanis? Égal à la somme du plan. La somme des dimensions des trois, c'est la dimension du plan. Non. La dimension du plan, c'est 2. Et la somme des dimensions des trois. On parle pas de dimension pour des vecteurs, on parle de cardinal. Et le cardinal des trois, c'est 3. Kautar, elle est liée? Ah non, on est dans R3. Alors je sais que c'est pas facile avec des dessins en 2D, mais voilà mon plan, voilà mon vecteur. Donc le plan,
pour générer un plan et pas juste une droite, j'ai besoin de deux vecteurs indépendants E1 et E2. Et après, j'en rajoute un vecteur E3. Bah oui. Donc en gros, quand vous avez une décomposition d'un espace en deux espaces supplémentaires, il y a deux choses qui se passent. C'est que si vous avez une base de F et une base de G, ce qu'on va appeler le recollement de la base de F et de la base de G, ça va former une base de E, l'espace total. Et à l'inverse, si vous avez une base de E et que certains vecteurs sont dans F et que tous les autres vecteurs sont dans G, on peut en déduire que F et G sont deux espaces supplémentaires. Et qu'en faisant l'inverse du recollement. Donc c'est-à-dire que exactement comme on peut prouver des conditions par l'extérieur des vecteurs quand on faisait des espaces vectoriels en prouvant que 0 est dans l'espace et que c'est stable par combinaison linéaire, on peut aussi prouver des choses par l'intérieur en ayant écrit les choses par rapport aux vecteurs. Donc c'est les deux dernières propriétés de cette partie-là. Alors, la propriété 17, c'est ce qu'on appelle le recollement de base. C'est que si je décompose E en F plus G et que j'ai F1 FP une base de F et G1 GQ une base de G, le regroupement des deux familles, ça fait une base de E. Et on dit dans ce cas-là que la base F1 jusque GQ est une base adaptée à la décomposition F plus G. C'est juste du vocabulaire. Et à l'inverse, si on a F1 FP et G1 GQ une famille libre, et qu'on pose F c'est vec de F1 FP et G c'est vec de G1 GQ, alors F et G sont en somme directe. Si ça fait tout l'espace, c'est même des espaces supplémentaires. Mais c'est juste expliqué par les vecteurs ce qu'on a compris par les ensembles. Alors, on reviendra sur... Oui, Ethan. Je suis tout à fait d'accord. Alors ça, je le botte en touche parce que c'est Monsieur Prévost qui va vous le faire. Parce qu'en fait, justement, moralement, et c'est le truc que vous allez le plus faire, quand vous trouvez les trois valeurs propres d'une matrice 3-3, vous décomposez moralement l'espace en trois espaces propres qui sont trois droites. Et c'est pour ça qu'après votre matrice, il n'y a plus que trois dimensions complètement séparées moralement. La notion d'espace propre, c'est ça. C'est-à-dire que si tu as une matrice de taille, même 5-5, si tu as 2-2 sur la diagonale, puis 1-1, puis 2-3, tu as décomposé en fait ton espace de dimension 5 en un espace de dimension 2 associé à la matrice de 2, enfin avec des 2, un autre espace de dimension 2 où il y a les 2-5 en même temps, et un 1 en même temps, un espace de dimension 1. Donc on peut décomposer... En fait, c'est logique. Puisqu'un sous-espace vectoriel est un espace vectoriel, si j'ai pu décomposer E en F plus G, bah F, je peux le redécomposer en F plus G, enfin F prime et G prime, et enfin on peut continuer à découper à l'infini. C'est-à-dire que moralement, tout espace de dimension N, c'est la somme de N espaces de dimension 1. C'est juste que par rapport à certains problèmes, comme je l'ai dit, comme mon exemple de spirale de la semaine dernière, vouloir décomposer en trois problèmes de dimension 1 ce problème-là, c'est pas utile. On veut un problème de dimension 2 et un autre de dimension 1. Ça, c'est une bonne décomposition adaptée au problème. Et donc, c'est ça qu'on cherche à faire. Dès qu'on cherche à trouver les espaces propres pour une matrice, c'est à décomposer l'espace en ce qu'il faut. C'est exactement ça. Donc ça, vous ferez toute la théorie et tous les trucs là-dessus l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on l'a pas vu, mais s'il y a autant de dimensions... En fait, c'est ce qu'on fait. Vous êtes d'accord que quand on cherche les... Il y a deux types d'exos qu'on a fait quand on a parlé d'espace propre notamment. C'est soit on a le même nombre de vecteurs que la dimension de l'espace dans les espaces propres. C'est-à-dire si on a des matrices 3-3, on a trouvé 3 vecteurs propres. Dans ce cas-là, je vous fais remplir P une matrice en colonne. Et on a les fameuses formules de changement de base qui font que P-1 à P est une matrice diagonale. Ou il y a des exos où on n'a pas assez de vecteurs. Par exemple, quand c'est en dimension 3, on trouve que 2 vecteurs propres et il n'y en a pas 3. Et dans ce cas-là, ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on complétait ces deux vecteurs avec un troisième vecteur pris au hasard, entre guillemets. Ah tiens, en fait, on crée un espace supplémentaire.
et on remplit la matrice dans cette base-là. Donc ça revient à ces notions-là. Donc c'est vraiment cette notion d'espace supplémentaire, c'est des choses qu'on faisait déjà depuis le début de l'année, mais sans utiliser ce vocabulaire-là, entre guillemets. C'est juste vraiment du vocabulaire qui se rajoute. Avant qu'on attaque la notion de projecteur, parce qu'après on fera des exos en dimension finie pour prouver que des choses sont supplémentaires, mais je vais en profiter pour faire des formules de changement de base avec un type d'application linéaire qui s'appelle un projecteur. Avant d'introduire ça, je vous ai dit que prouver que deux ensembles sont supplémentaires en dimension infinie, c'était un tout petit peu plus compliqué. On va en faire un ou deux pour qu'on l'ait fait, et après on passera à autre chose. Et ce qui nous permettra de faire des intersections relativement simples. Alors, allons-y. Hop. Alors, on va poser deux ensembles. Grand F, c'est l'ensemble des fonctions continues sur R telles que f de 1 vaut 0, et grand G, c'est l'ensemble des fonctions continues sur R telles que il existe un réel A pour lequel la fonction f de x c'est a fois x. Et le but c'est de montrer que ce sont des espaces supplémentaires dans l'ensemble C0 de R. Alors la première étape, la première étape que je vais noter 0, ce sera mis en plusieurs questions dans un vrai sujet, mais ici, comme je vais un peu vite et que je veux aller dedans, quelle est la première chose à faire pour montrer que ce sont des espaces vectoriels supplémentaires? Mathis? Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que je parle d'étape 0. Il y aura des questions avant, ou alors on va vous le faire admettre pour vous faire gagner un peu de temps et pour que vous passiez vraiment à la partie supplémentaire, mais il faut prouver que ce sont des espaces vectoriels. Je vais le faire que pour un seul des deux. Ça fera de la révision, mais je vais pas le faire pour les deux, on est d'accord. Lequel vous préférez que je fasse? Je pense que F c'est plus facile, donc je pense qu'il vaut mieux que je fasse G. Ouais. Montrons que F et G Alors, je vais pas assez parti, je vais dire que G est bien inclus dans C0 de R, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je dois vérifier pour la fonction nulle? Qu'est-ce que vous me dites pour expliquer que la fonction nulle est dans l'espace? Je rappelle que la fonction nulle, c'est la fonction qui vérifie pour tout x appartenant à R, f de x vaut 0. Alors, je vais le dire. Donc la fonction nulle pris en x vaut 0. Et à ce que je sache, 0, je peux l'écrire 0 fois x, ou je peux l'écrire même a fois x avec a qui vaut 0. Donc on a bien que le vecteur nul de l'espace C0 de R appartient à G. Ensuite, pour tout alpha appartenant à R, alors ce sont des fonctions, donc on va les appeler par exemple pour tout F1, F2 appartenant à G, toutes les deux. Alors ce qu'on doit montrer, c'est que c'est stable par combinaison linéaire, mais la première chose à faire, c'est peut-être de traduire ce que ça veut dire. F1 et F2 sont dans G, ça veut dire que il existe un A appartenant à R tel que pour tout X appartenant à R, F1 de X, ça fait AX. Et F2, il existe quoi? Le même A. Donc il existe par exemple B appartenant à R, tel que pour tout X appartenant à R, F2 de X, ça fait BX. Alors, F1 de x plus alpha. Alors, je vais bien l'écrire en deux temps, excusez-moi.
qu'on doit faire, c'est la combinaison des vecteurs. Donc on va les calculer f1 plus alpha f2 de x, ça fait f1 de x plus alpha f2 de x, ça. Ça fait donc du a plus du ax plus alpha bx, ce qu'on pourrait écrire comme du a plus alpha bx. Ça, je pourrais le poser comme égal à un grand A, entre guillemets. Et donc, F1 plus alpha F2 appartient à G. G est donc un SEV de C02R. Est-ce que ça vous va, cette petite révision, pour prouver que quelque chose est un espace vectoriel ? Rien de très méchant, celui-là est un peu plus dur, l'autre c'est vraiment très très simple, il suffit de calculer f de 1 qui vaut 0, enfin, je fais pas f, mais il faut faire, si vraiment la question est très rapide, enfin si ça vous arrive en colle, en sujet d'écrit, il y aurait des questions intermédiaires pour montrer que c'est des espaces vectoriels, où ce serait marqué que c'est admis, mais si c'est en colle, demandez au colleur si vous prouvez espace vectoriel, ça peut avoir un intérêt, ou des fois ça peut vraiment être très bête, ça ne nous intéresse pas. Mais officiellement, pour pouvoir parler de sous-espaces vectoriels supplémentaires, comme l'a dit Mathis, il faut que ce soit des sous-espaces vectoriels. Maintenant, la première étape à faire. Je vous dis ce qui est simple, la partie qui est toujours simple à faire et qu'il faut vérifier, qui coûte pas très très cher, c'est montrer que l'intersection est nulle. Ça doit pas vous coûter très cher et ça doit aller vite. Que ce soit en dimension finie ou en dimension infinie, c'est le même problème. Alors, on travaille avec quoi comme objet ? Des matrices, des vecteurs, colonnes, des... de vous réveiller, hein, je vais pas tout faire tout seul. Mathis, on travaille avec des fonctions. Donc ce qu'on va prendre, c'est parce que vous demandez pourquoi je vous pose la question, mais vous avez l'air bien bête quand vous êtes seul devant votre feuille et que vous savez pas quoi poser ici. Donc soit f appartenant à f inter g. Parce qu'on va prendre une fonction qui est dans f et dans g. Donc ça c'est équivalent à f appartient à f et f appartient à g, ce qui est donc équivalent à dire qu'il existe a appartenant à r tel que pour tout x. Et de l'autre côté, ça veut dire que f de 1, ça fait 0. Ok. Est-ce que vous voyez quelque chose à faire avec cette équation-là ? Comment je prouve que la fonction est nulle ? Noix ? On injecte dans la première équation, on injecte x égale 1. Pour x égale 1, on a à la fois f de 1 qui vaut 0 et qui est égal à a fois 1. Donc ça, c'est bien sûr équivalent à dire que a est nul. Donc pour tout x appartenant à r, f de x, ça fait 0 fois x, ça fait 0. Donc f, c'est la fonction nulle de ces 0 de r. Et f inter g. Donc vous voyez, même dans un cas comme un truc de dimension infinie, montrer que l'intersection est nulle, c'est jamais quelque chose de très très dur. La seule chose qu'il faut que vous sachiez faire et que vous ayez en tête, c'est qu'il faut mélanger les deux conditions à chaque fois. Ce qui vous donnera quelque chose de nul, c'est quand vous faites un et dans les deux conditions, c'est tout. Maintenant, la deuxième étape. Montrer que la somme directe, ça recouvre tout l'espace, ça revient à montrer que il existe f appartenant à grand F et il existe petit g appartenant à grand G.
Alors je dois me donner une troisième lettre telle que pour tout H appartenant. Excusez-moi, j'ai mis mes quantificateurs dans le mauvais sens, ça m'énerve, je reprends. Ce que je veux, c'est que pour tout H appartenant à C0 de R, quelle que soit la fonction que je prends là-dedans, je veux qu'il existe F appartenant à F et qu'il existe G appartenant à G avec H qui vaut F plus G. Est-ce que vous êtes d'accord que ça veut dire ça? Je peux décomposer n'importe quelle fonction continue en une fonction qui s'annule en 1 et une fonction qui est affine. Enfin, qui n'est pas affine, qui est linéaire, qui est A fois X. Ok. Ça veut dire ça. Comment on va procéder? À partir de là, c'est toujours la même chose. Vous analysez vos conditions jusqu'à obtenir l'expression de F ou de G. Ça va toujours être la même chose. Et dès que vous en avez l'une, ça c'est la subtilité de ces analyses synthèses foireuses, et que vous avez du mal avec ça, et j'ai du mal à le faire passer aux étudiants, c'est que dès que vous en avez une, ce qu'on commence c'est par pour tout H appartenant à C0 de R. Donc on se donne une fonction H. Donc dans l'égalité H égale F plus G, H on la connaît. C'est la donnée de notre énoncé. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Et la deuxième, c'est que donc si vous connaissez H et que si en analysant la situation, vous trouvez F, ben vous avez G parce que G, ça devient H-F. Donc ça, c'est le dernier point, c'est ce point-là, c'est arriver à voir que vous connaissez H et si vous arrivez à obtenir soit F, soit G, je ne vous dis pas laquelle va être simple dans une situation ou dans l'autre, ça dépendra de vos calculs et comment passe votre analyse, alors vous obtenez l'autre. Alors ça c'est, on procède toujours. Par analyse synthèse. On cherche F ou G à partir de H. Dès qu'on a F ou G, on obtient l'autre. Alors allons-y. Supposons que F plus G qui est égal à H. Donc ça, je vous rappelle, ce sont des fonctions. Donc ça veut dire pour tout X appartenant à R, j'ai H de X qui vaut comment vous continuez votre analyse? Qu'est-ce que vous faites à partir de ça? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de... Vous pouvez dire quelque chose de soit F soit G? Moi, je commencerai par dire quelque chose sur... Alors, attendez, je remonte pour voir quel était qui. Ce qui était F, c'était celui-là, et ce qui était G, c'était l'autre. Ok. Moi, je sais sur laquelle des deux fonctions, je commence par écrire quelque chose. Ethan? Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Ça peut s'écrire G de X plus AX. Alors, attention, je n'ai pas G parce que je ne connais pas encore la valeur du réel. Ah, je n'ai pas déterminé G. Hein. C'est juste, je sais juste que G de X, elle s'écrit comme ça. Ok, comment je continue mes calculs? En gros, là, j'ai utilisé la condition d'appartenance à G. Quelle est la seule autre information que je peux utiliser? La condition d'appartenance à F. F, la condition d'appartenance à F, c'est que F de 1 vaut 0. Donc, on va aller faire notre calcul. De plus, H de 1... Bah, ça fait F de 1 plus A fois 1. Bah, ça fait 0 plus A fois 1, ça fait A. Ah, je viens de trouver quelque chose. Je viens de trouver que le réel A, il vaut H de 1. Et c'est là qu'il faut que vous compreniez tout ce que je vous ai dit à l'oral. On connaît H. On se donne H. Donc, si on obtient que A, ça vaut H de 1, c'est qu'on a maintenant
le réel A, donc on a la fonction G. Donc nécessairement, G de X, ça vaut H de 1 fois X. Si j'ai G de X et F de X, bah ça vaut forcément H de X moins G de X. F de X, ça vaut H de X moins H de 1 fois X. C'est ça, faire l'analyse de la situation. Vous n'avez pas à rédiger ça sur votre copie. Bien sûr, si vous êtes en colle, vous rédigez ça parce que vous êtes en train de chercher et qu'il faut trouver vos fonctions. Mais si vous êtes en train de répondre à une question comme ça sur un sujet d'écrit, ce petit calcul-là, vous le faites au brouillon parce que je vous l'ai déjà dit, une analyse synthèse, on peut se contenter d'écrire la synthèse. Maintenant qu'on a trouvé F et G, il faut quand même dire quelque chose. Il faut dire que ce petit F est bien dans grand F, que ce petit G est bien dans grand G, et il faut dire que la somme des deux, ça fait bien la fonction H. Donc, c'est la partie synthèse. Je pense que ça, c'est pas très très dur à dire, vu que c'est bien une constante fois x, donc ça va pas être choquant. Il y a un petit calcul par contre pour g, pour f. Alors là, je vais peut-être le vérifier. Pour vérifier que c'est bien dans grand F, il faut que je vérifie la condition d'appartenance à grand F. Donc il faut que je vérifie que F de 1, bah, ça me fait H de 1 moins H de 1 fois 1. Bah oui, ça marche bien. J'ai bien ma fonction petit f qui est dans grand F. Et H de X, oui, c'est de la puissante magie, je peux l'écrire H de X moins H de 1 X. Plus h de 1x. C'est-à-dire que je peux l'écrire f de x plus g de x. Donc f plus g, c'est bien l'ensemble des fonctions continues. Est-ce que ça va, cette première analyse synthèse? C'est un peu tordu. Le membre de gauche qui est le pourtout que vous vous donnez, vous le connaissez. Et il faut que vous bidouillez vos équations pour obtenir l'un des deux autres morceaux que vous avez. Dès que vous en avez un, l'autre marche. Et il n'y a plus qu'à rédiger la synthèse. D'où viennent ce truc magique du H1X et du... Si vous rédigez que la synthèse, et donc vous verrez des corrigés de choses comme ça où il n'y a que la synthèse, vous n'allez pas comprendre comment ils ont analysé leur quantité. Mais c'est une preuve. C'était l'année dernière, c'était il y a 2 ans à l'EDEC, où il y avait une question comme ça d'analyse synthèse pour montrer que deux espaces... c'était pour montrer quoi? Pour montrer qu'un certain vecteur appartenait à un noyau et un autre à un autre. En gros, fallait décomposer un vecteur en deux noyaux. Et les bonnes copies m'ont rédigé que la synthèse. Je sais bien qu'ils n'ont pas trouvé nulle part leur synthèse, mais c'est juste que pour gagner du temps, ils m'ont juste écrit oh magie, f de x, ça vaut ça de tête, ça c'est dans f, ça c'est dans le noyau qui est là, ça c'est dans l'autre, donc c'est bon, j'ai trouvé le résultat. Deux lignes, mais c'est deux lignes qui leur a fait faire une analyse au brouillon. Faisons-en un deuxième pour rentrer là-dedans. Ah mince.
Alors, ça c'est un grand classique, c'est même dans le cours des autres des prépas scientifiques, oui. On a bien G car en posant le petit a qu'il faut pour être dans la condition, en fait je le pose égal à h de 1. Le petit a, tu sais, la condition c'est g de x et doit être égal à ax, bah le a c'est h de 1. Ok? Alors c'est du cours dans les prépas scientifiques, toute fonction continue peut se décomposer en une fonction paire et une fonction impaire. Donc, ce qui veut dire que l'ensemble des fonctions paires et l'ensemble des fonctions impaires sont deux espaces supplémentaires dans C0 de R. Alors, première chose, comment vous allez. Alors, je vais peut-être les appeler P et I. Comment vous allez me caractériser P, l'ensemble des fonctions continues sur R qui sont paires? Quel calcul on fait pour vérifier qu'une fonction est paire? Baptiste? F de x est égal à moins f de x. F de moins x est égal à. Alors attention, ça marche pas, sauf si vous me précisez. Pour tout x appartenant à R. Donc ça c'est l'ensemble P. I c'est l'ensemble des fonctions f continues sur R. Tel que pour tout x appartenant à R. F de moins x est égal à oula, égal à moins f de x. Alors, encore une fois, j'en fais pas deux. Ça vous va? Enfin, je vais pas faire P et I, ils se ressemblent trop. Je vais montrer par exemple que I est un SEV de C0 de R. La fonction nulle prise en moins x, je crois que ça vaut 0. Et bah, ce 0-là, c'est aussi la fonction nulle prise en. Enfin, c'est moins la fonction nulle prise en. X, ça pose pas de problème. Donc la fonction nulle appartient à I. Soit f1, f2 appartenant à I tous les deux, pour tout alpha appartenant à R. F1 plus alpha F2 de moins x. Ça vaut clairement F1 de moins x plus alpha F2 de moins x. Ça vaut parce que F1 et F2 appartiennent à I. Ça vaut moins F1 de x moins alpha F2 de x. Et donc ça fait du moins. F1 plus alpha F de 2x. Donc F1 plus alpha F2 appartient à I. Et I est un sous-espace vectoriel de C0 de R. Maintenant, on va montrer que l'intersection est nulle. Il faudrait montrer aussi que P est un sous-espace vectoriel, mais c'est la même chose. Soit F appartenant à P inter I. Ça veut dire que pour tout x appartenant à R, j'ai f de moins x qui est égal à f de x. Et j'ai que pour tout x appartenant à R, j'ai f de moins x qui vaut moins f de x. Comment vous concluez que la fonction est nulle? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vois ce que je fais. Noix?
Oui. Alors tu l'as dit, tu as fait peut-être des injections, je sais pas comment tu l'as fait, mais moi si je note ces équations 1 et 2, ce que je fais c'est que je fais juste l'équation 1 moins 2. Si je fais 1 moins 2, ça me fait clairement 2f de x est égal à 0. Ce qui est équivalent à dire que f de x vaut 0. Donc f c'est bien la fonction nulle des fonctions continues. Donc p inter i c'est égal à l'ensemble des fonctions nulles. Enfin, c'est à l'ensemble qui ne contient que la fonction nulle. Ok. On revient à la particularité de nos espaces de dimension infinie. Ça va revenir à dire que pour tout x, pardon, pour tout f appartenant à C0 de R, je veux qu'il existe un p appartenant à grand P et qu'il existe un petit i appartenant à grand I, tel que f, ça fait du p plus i. Alors, bah comme tout à l'heure, il faut analyser, il faut une analyse synthèse. Comment vous allez pouvoir analyser ça? Oui? Attends, j'ai pris f dans l'intersection et j'ai montré que c'est le vecteur nul. Alors, je suis d'accord avec toi, mais... Alors, je suis d'accord avec toi, il y a une subtilité, Martin, elle est à peu près évidente. Quand on fait ça et que j'arrive à la fin à ça, ce que je montre, c'est que cet ensemble-là est inclus dans l'ensemble de nul. Ce qu'il faudrait vérifier, c'est que la fonction nulle est bien dans l'ensemble. Mais puisqu'on sait d'après le cours que l'intersection de deux espaces vectoriels, c'est un espace vectoriel, instantanément, forcément, la fonction nulle est dedans. Donc ça, c'est entre guillemets évident et on va pas t'embêter avec ça. C'est à peu près ça ta question? Je suis d'accord qu'il y avait une subtilité, mais c'est évident et on va pas t'embêter avec cette évidence-là. Ah non, justement, ouais, ça suffit pas du tout. En dimension finie, une fois que tu as fait ça, il faudrait juste vérifier une règle de dimension. Mais en dimension infinie, on peut pas. Et donc c'est là où ça devient compliqué. C'est juste ça. Et il n'y a pas d'autre choix. C'est l'analyse synthèse qui permet de faire ça selon les conditions. Il n'y a pas d'autre solution. Comment vous m'analysez ça? Qu'est-ce que vous faites comme calcul? Cassiopée qui a l'air très intéressée par mon cours. Ouais, forcément. Tu sais que si t'as pas envie de faire de maths, t'as le droit de sortir de ma salle. Noix? Oui, mais comment on l'obtient? C'est ça la question. Ouais, ça, en fait, c'est juste ça. Comment on peut obtenir des équations? Bah déjà, nos conditions dans les espaces PI, est-ce que vous êtes d'accord que c'est des conditions pour tout x appartenant à R? Donc la première chose à écrire, c'est écrire des conditions pour tout x appartenant à R. Déjà, cette règle-là, comment elle se traduit pour tout x appartenant à R? Pour tout x appartenant à R, f de x, ça vaut p de x plus i de x. Ok. Maintenant, mes conditions sur p et sur i, les deux conditions qui sont écrites là-haut,
Les deux conditions, elles portent sur du f de moins x et du f de... Enfin, ce genre de choses. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est calculer... C'est une idée qui me paraît raisonnable. Et f de moins x, ça vaut p de moins x plus i de moins x. Et ça, ça vaut parce que p appartient à grand P et parce que i appartient à grand I. Ça, ça fait p de x. Attention, une subtilité, c'est moins i de x. Et là, encore une fois, ce que vous cherchez à trouver, c'est soit p, soit i. Et ce que vous connaissez, c'est f. Donc là, vous avez la somme de deux variables, la différence de deux variables. On l'a déjà vu plein de fois, ça. Quand vous avez la somme de deux variables et la différence de deux variables, en faisant la somme des équations ou la différence des équations, vous pouvez retrouver les deux variables. Donc encore une fois, si ça, j'appelle ça l'équation 1 et ça l'équation 2. Si par exemple, je fais 1 plus 2, ça me dit que f de x plus f de moins x, ça fait 2p de x. Donc ça, c'est par exemple, c'est équivalent à dire que p de x, ça vaut... C'est f de x plus f de moins x sur 2. Comme tout à l'heure, on peut faire la deuxième équation du système, mais plutôt comme tout à l'heure. Dès que vous avez trouvé p, on a trouvé i en faisant que i c'est f moins p, tout simplement. Donc, 2 plus f est égal à p plus i. Donc, i de x, c'est f de x moins f de x plus f de moins x sur 2. Je vais un tout petit peu vite à cette étape de calcul, mais vous devez être capable de la faire. Ça, si je remets tout au même dénominateur et que je simplifie, ça me fait ceci. Oui, Hugo ? Ou i de x, l'un des deux, n'importe lequel. Alors attends, cette équation-là, c'est la définition de ça. Cette équation-là, c'est la définition de montrer que la somme recouvre tout l'espace. Ça veut dire que un élément quelconque de l'espace s'écrit comme un élément de l'un plus un élément de l'autre. Maintenant, ce qui me fait passer au réel, c'est parce que mes conditions d'appartenance à P et I, c'est pour tout X appartenant à R. Donc je traduis cette condition-là pour tout X appartenant à R. Et la deuxième équation, c'est parce que dans mes conditions, j'ai des f de moins x qui sont écrits partout. Donc c'est ça qui m'a fait écrire ces deux trucs-là. Après, c'est à vous là, de voir que vous pouvez trouver p ou i ou comme vous voulez. C'est pour ça que je peux pas vous dire autrement. Un peu comme vous dire que la preuve de sous-espace vectoriel, c'est toujours montrer que 0 est dedans et que la combinaison linéaire vérifie les conditions. Ça, je peux vous le dire, enfin, mais je pourrais jamais vous donner les conditions de tous les espaces existants, quoi. Donc, faut s'adapter à chaque espace. Oui, Yanis. Attends, j'ai pas compris. Ouais. Est-ce que c'est parce que P plus est pair et I c'est impair que... Complètement. C'est pour ça que j'ai pointé ça ici et ici. Encore une fois, on a fait que l'analyse, il faut faire la synthèse. Posons P. P de moins x, dans ce cas-là, ça fait f de moins x plus f de moins x sur 2. Ce qui serait écrit f de moins x
Donc ma fonction petit p appartient bien à grand P. Comme ça vient de sonner. Il faut faire le même calcul, mais de même, I, ça va appartenir à grand I. Il suffit de faire le calcul de I de moins X, on est d'accord? Et on a bien que f de x, ça peut s'écrire, et il faut suffit de vérifier, hein, ça s'écrit f de x moins f de moins x sur 2, plus f de x plus f de moins x sur 2, ce qui veut dire que ça s'écrit bien i de x plus p de x. Donc on a bien f qui vaut p plus i, et on a bien grand p plus grand i qui vaut c0 de r. Les deux espaces sont donc supplémentaires. Est-ce que ça va pour cette notion de supplémentaire? Cette analyse synthèse, c'est... Enfin, ces deux analyses synthèse, c'est certainement ce qu'on fera... Enfin, ce qu'on fait de plus dur là-dessus. On peut rien faire de plus dur. Il y a un concept à comprendre derrière, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. On arrête là! Oui. J'ai pas de salle de colle. Du coup, on va essayer d'aller en salle d'info. Monsieur ? Oui ? Pour la question ici, je ne sais pas noter dans l'énoncé, mais je l'ai supposé pour le faire. On est d'accord que du coup, il faut séparer le cas. Enfin, du coup, là, il faut séparer n exclu en 1. Parce que, enfin, là, si je mets x égale 1, ça marche pas. Ah oui, oui, c'est ça, oui. Et près de ça, c'est pour n supérieur ou égal à 2. Ouais, c'est ça. Parce qu'on n'a pas besoin de la probabilité de faire 0 parce que. Pour l'espérance, on. Du coup, le quand terme je fais mon en espérance, je fais p de x égale 1 plus p de x égale n. Plus la somme pour n égale 2 somme. À plus l'infini. Oui, non, mais je le mets en somme. Mais du coup, je commence à 2. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. J'avais une question. Oui. Ici, dans l'exemple 23, on a demandé que f plus g égale r de crochet x, oui. Et du coup, j'ai pas compris en prenant que c'était le vecteur nul. Enfin, comme ils sont de dimension 2, c'est comme si c'était des points. Oui, complètement. Et si on prend que leur intersection, c'est pas le vecteur nul, ça veut dire qu'ils peuvent être comme ça les plans. C'est-à-dire qu'ils ont, si c'est pas le vecteur nul, ça veut dire qu'il y a une droite d'intersection au minimum. Et donc, du coup, ça veut dire qu'ils sont plus que R de crochet X. Oui, voilà. Mais ils décomposent mal parce qu'ils décomposent trop. Voilà, c'est exactement ça. Et aussi, on a une question. La colle 23, c'est ça? Mais non, tu m'expliques en fait que ce soit clair. Ah, mais c'est encore du... C'est différent de 0. C'est différent de 0. Ok, d'accord. Okay. J'ai repris mon truc de colle de la semaine 22 sans faire gaffe, alors qu'elle est de l'hypothèse. Okay. Et sans faire ça, du coup, pour la colle ce soir. J'ai pas de salle de colle, il faudra qu'on cherche. Je sais pas. Attendez-moi au rez-de-chaussée du bâtiment S, parce que là, je vais faire colle en salle info. Si les salles info sont libres, c'est des grands tableaux, ça ira très très bien. Ok, mais nous, c'est à 17h. Non. Eux, à 18h. Vous, c'est à 18h. Ouais. Okay, d'accord. Tiens, d'ailleurs, Samy, si tu veux faire un rattrapage de colle. Enfin, une colle en plus, c'est ça, tu peux pas demain après-midi, parce que je vais rattraper Mathéo. Ah, ok. Par contre, tu peux, si tu veux, ce soir de 18 à 19. Ah oui, oui, oui. Mais ce soir de 18 à 19. Mais il faut que tu me dises aussi sur quoi tu veux... Sur, bon, en fait, sur tout ce qui est intégral, j'ai commencé à m'entraîner sur des questions sur les niveaux de l'ESCP et de l'HEC. Ouais. J'arrive à me débrouiller, mais ça reste assez... J'aimerais bien essayer de m'entraîner sur ça. Sur les du calcul d'intégrale ou de la convergence? Les deux. En fait, j'essaye, je fais. J'y arrive une fois sur deux, des fois j'ai besoin. Bon, justement, j'ai des questions sur ça, parce qu'il y a quelques notions qui se sont vues comme la continuité des fonctions lorsqu'on encadre avec les inégalités triangulaires. Et ça, justement, j'ai compris le concept, mais justement, j'ai des questions par rapport à ça.
justement, je le pense. Et dans le DM, j'ai galéré à trouver toutes les méthodes d'objection qu'il y a dans le cours. Ouais. Montrer que c'est injectif, ça, c'est le mais ça, on peut pas le faire sur ce genre d'exercice. Non. Il fallait penser que c'était pas le faire. Ouais, voilà, ça, il fallait penser que c'était, fallait penser que cette relation-là, ça allait bien. En fait, la plupart du temps, oui, c'est que, oui, j'ai fait non, oui, ça, je répondais, mais après, justement, j'ai demandé vraiment c'est quoi le concept. Parce que ça, c'était un cas. Il posait X0. Il y a des exemples très particuliers, on a parlé à un moment. J'en ai parlé sur un exo, je m'en rappelle, sur l'injet de la surjectivité. Ça marche pour la surjectivité d'une application définie par l'intégrale principale. Ah oui, complètement. Ça, reconnaître ça, c'est super. Ça donne tellement de choses après. Ah bah oui, ça donne beaucoup de choses. Exactement. Alors, mais tiens, quoi, ça va est-ce que c'est obligatoire? Ça, la vraie question. Parce que moi, ça joue bien, ce décalage et tout. Ouais, décalage, ça, c'est vrai, j'ai vu, c'est du coup, c'est ça, mais c'est une constante, c'est une fonction. J'allais juste comprendre cette idée du châle et du machin qui traîne. Oui, mais justement, c'est. Ouais, c'est ça, on sait pas. T'as le droit de dire P de Y égale K, ça vaut autant par rapport au quoi de Y. Oui, mais en mettant les deux. Ah oui, vraiment. Ah non, 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 pas du tout. D'accord, oui, pas du tout. Moi j'ai une question par rapport à cet encadrement. Ouais. Pour la continuité de la fonction. Ouais. Quand on pose x0, ouais. Est-ce que x0 déjà on peut le faire poser sur tout un intervalle? Bah oui. Okay. C'est un nombre, mais c'est un nombre dans l'intervalle quoi. Mais tu le fixes d'accord, dans l'intervalle. Okay, on le fixe. Mais t'as le droit de faire des amorces sur les bornes de l'intervalle. Ok, donc c'est un nombre fixé. Donc il y a tout l'intervalle qui compte. Lorsqu'on fait tendre, on va faire tendre x vers x0 par exemple. Et lorsqu'on fait tendre x vers x0, le terme qui sera ici. Mais bon, en fait, c'est toujours la même chose. En gros, quand on veut faire faire de la continuité, le membre de droite de ce truc-là, en fait, le membre de gauche, tu vas avoir du f de x moins f de x0. Ouais. Fiche. Le membre de droite, tu auras des constantes horribles. Ouais. On va les appeler C, ces constantes horribles, mais c'est vraiment horrible. Ouais. Et derrière, tu dois avoir ça qui doit apparaître. Forcément. D'accord. Et donc, quand ça attend vers 0 là. Voilà. Et comme ça, ça ne dépend pas de x. Ouais. Ça peut dépendre de x0, mais ça ne dépend pas de x. D'accord. Okay. Donc, quand x tend vers x0, ça tend vers 0, ça c'est une constante, c'est majoré par x. Ok. Et donc, est-ce que j'ai le droit sur les notations, au moment où on avait x plus h ici, on avait un x plus h. Non, ça. Avec en fait, il y a deux versions. C'est soit on met x qui vaut x0 plus h, et dans ce cas-là, on doit juste majorer par h. Et donc, ensuite, on fait quand x0 plus h tend vers x0, donc on barre les deux, ça fait c'est équivalent lorsque h tend vers 0, vers ça. Donc, on barre les deux. C'est-à-dire ça fait x0 plus h qui tend vers h, qui tend vers x0. Est-ce que je peux faire passer le x0 de l'autre côté et je dis que c'est un peu équivalent à ce que h tend vers 0. Ok, d'accord. Ah, c'est complètement équivalent. Ok, d'accord. Ok, merci. Ouais, c'est une équation. Hein. Et pour les inégalités, j'ai remarqué en fait ça c'était sur le livre d'Oral de. Et en fait, est-ce que sur les inégalités, j'ai le droit de multiplier, par exemple, par des sommes, si je montre que le premier terme est le premier terme, il est plus grand que 1. Et que j'ai une somme, et que le premier terme est plus grand que 1, et que je rajoute, et que c'est un terme positif. Est-ce que j'ai le droit de multiplier par cette somme? C'est pas clair. J'avais... x qui était inférieur à somme de y plus on va dire c. Et donc j'avais que c, que x était inférieur à c plus
une somme quelconque, voilà. Et le premier terme de cette somme, c'était y. C'était vraiment bizarre. Hein. Le premier terme de cette somme, c'était y. Et ensuite, c'était inférieur forcément. Que toute cette somme est égale à y plutôt, plus qu'y. Et qu'ensuite, je disais que y, il était à terme positif. Et donc, je remultipliais par une somme. C'est quoi tu remultiplies? C'est tu rajoutes. Oui, je rajoute et je multiplie par. En gros, c'est tout ce que tu fais. Tu rajoutes dans ton rapport. Oui, c'est-à-dire y positif. Ouais. Et j'ai le droit de. C'est pas une multiplication, ok. Ça me va mieux. Ok, donc j'ai le droit. Ouais. Ils veulent qu'on sorte. Pas qu'on les sorte. C'était posé, mais vraiment bizarrement. Ok. Et pour Riemann, on peut poser sur alpha. Et les cas de alpha, ça dépend juste de l'intervalle de notre intégrale. Pour les variables. C'est le minimum de 5 cents et plus de Je le fais dans l'instant, c'est que je donne ma notation pour pouvoir communiquer. Mais je n'ai pas vu ma notation avant de me...